avec des matchs comme aujourd'hui si les Stormers font tomber les doubles tenants du titre. Pour l'équipe alignée par John Dobb, ils sont 4 dans cette équipe des Stormers. En face, l'arrière de cette équipe sur le titre, tout simplement, chez les Stormers, au cap, Jančić avec ses avants. Récupéré, il est sous pression. Un premier ballon difficile à jouer pour Winnie. Attendu de M. Carley, avantage en cours pour les Sud-Africains. On va aller vers les extérieurs. Notamment sa place dans les phases finales de la Coupe du Monde. 3-0. Tens Cup Sale à la même époque. Ballon porté par les Sud-Africains avec le grand feinte. Et ensuite on peut enchaîner. L'interception de Dylan Leeds. Dommage. 1m80, donc vous avez des différences de taille. Ça peut expliquer ces différences. Un ballon jouable pour Evan Rose, grand. Troisième, Stoyd, sans trop forcer, arrive à faire 50 mètres en ligne droite. Et les transmissions sont compliquées hein, dans son début de match. Attention à Jelent, le retour intérieur, Hartzenberg. Damien, on a vu tout à l'heure deux fois les Rochelais aller au sol. Encore une fois, le premier. Touché. Et là, ça se maintient. Ouais, mais c'est sanctionné. Van Herden. Avec le plaquage de Carbarlo. De Leeds, qui est au contact du joueur plaqué, mais qui le relâche très rapidement pour pouvoir mettre. Avec Leon Zaz. Fouchier. Et Dion Fauri, toujours aussi actif. Tout son temps pour sortir cette balle. Duplessis, Villemcé. Les deux centres très grands. Occasion peut-être d'aller marquer un essai. Bonne prise de balle de bien résisté. Un avantage en cours pour les. Il libère le ballon. Jančić avec Dixon. Information que les poteaux tremblent. Les poteaux. Et pas la moindre. Très intéressant. Le début de match du centre sud-africain. Allez, le renvoi bien capté par Zassuré. Parce qu'on voit que le ballon flotte dans l'air. Condition. On les met aussi à la faute. Avantage en cours pour La Rochette. C'est plus proche. Beaucoup plus proche de Carbarlo, vous avez vu avec le vent. Carbarlo stoppé tout de suite par Carbarlo avec Grégory Aldrit. Pas beaucoup vu, ballon en main. Il recule les Rochelais. Carbarlo, Pinverne. Jančić. Oui, il est pas intérieur, attention. L'intérieur, c'est dangereux. Attitude de Damien Villemcé. Intérieur. De Liboc. Eh bien, le score est de. On a eu une pénalité qui était trop lointaine pour être tentée. Là, il faut le lâcher. Voilà. Oh là là, ouais, c'est complètement raté. Et là, condition du cap. Bien capté par Jelent. Ah, qui échappe. Liboc. Attention à ce genre de passe. Jelent qui a vu arriver. Des Stormers. À place de Fourri peut-être. Hein. Il est toujours là. Ils nous font avancer. Avec Pinverne maintenant. Et comme par hasard, regardez le jeu. Rochelet se met en place. Rochelet, elle est bonne, Atenu, elle est bonne. Atenu qui fait elle n'est pas récompensée par Monsieur Carley. Dommage. Dans ces derniers instants de la première mi-temps, Astoy, Dulin devant la défense. On cherche des failles. Et c'est bon, mais c'est pas très bien capté ensuite. Carbarlo. Deuxième ligne, Will Skelton, on insiste avec Franck Corrier. Il faut les marquer. Ah. Soutien offensif est très efficace. Franck Corrier, on est un peu arrêté malheureusement. Champions Cup, le stade Rochelet. Et en mêlée, ça tombe. Corriger ce qui n'a pas été forcément sur cette première mi-temps. Non, on préfère lancer. En finale, la dernière finale à Dublin, ils étaient menés 17-0 après un premier quart d'heure catastrophique. Chandelle de Jančić, les Sud-Africains contre le vent dans cette deuxième période. Bonne prise de balle, bonne intervention. Les All Blacks. Back off blue. Et récupération Concorier. Rendu. Trop précis encore. Avec Warwick Jelent. Allez, au gratte pour le double tenant du titre. Pour l'instant, éliminé. Quand pourrait être conséquent. Allez, ça passe en difficulté. Il n'y a pas eu encore de bon lancement. Regardez ces passes aléatoires sur la poule intérieure. Ah bon. Carbarlo. Avec Leeds qui est attendu, pris par Liboc. Ah, il y a un avantage en cours. Carbarlo, la passe après contact avec Pinverne. Ah, que c'est dur. Le petit côté. Le petit côté joué par Carbarlo. L'avantage en cours quand même pour les Rochelais. Ça ne fournit pas ses fruits, mais ça va peut-être venir avec Aldrit. Carbarlo, Botia en puissance. Ils sont 5 face à lui. Et La Rochelle redresse la tête également. Oui, effectivement, il y a une. Qui sont positionnés sur la droite avec Pinverne, soutenu par ses partenaires. Et là, il était vraiment à l'épaule plus basse. Ça a été sur les situations dangereuses en première mi-temps. On l'a répété. Commence à contester aussi en touche. Le ballon est jouable quand même pour les Sud-Africains. Oula, Duplessis, il a évité.
Ceteni qui avance. Ils sont en train de gagner les collisions, les Rochelais. Pio sur Boudouan, les deux nouveaux entrants. L'Espio avec la charge. Allô. Skelton, oui, il y a un décalage. Astoy, du nain, il manque. On est beaucoup plus efficace, ballon en main. Leur match à l'extérieur, c'était chez les Sharks et les Bulls. Donc ils avaient parfaitement prêt. Bon, 11 plaquages pour un pilier gauche, c'est pas mal. Plaquage manqué sur trois premières lignes sur le flanc pour les Rochelais. C'est bien fait, Sotelli vers l'extérieur peut-être. Oh, la femme de Sotelli qui garde le ballon, il se relève le Samoan. Tanti, plein axe. Ah, ils sont durs hein, dans ces... Barlow l'a sauté, elle est bonne avec Noël qui va jouer le duel. Il est passé, Jack Noël. Noël, il a hésité, il cherche le bon preneur de balle. Pourquoi pas Grégory Aldrit avec une pénalité. Monsieur Carlé, carton jaune pour Tony. Il va les organiser. Allez, l'Espio droit devant avec le soutien. De Win. Ils sont énormément plus efficaces. Regardez sur les soutiens offensifs, on est beaucoup plus rapide. Le ballon est hormis ce carton jaune et vous permet de. Et un chiffre que. Il y a rien faux du caractère. Ils en ont les rejets là. Vraiment. Avec Duplessis, hein. Liboc. Jelent. Ça peut venir. Avec Willemc. Willemc, Jelent, par Rochelet. Liboc, on n'hésite pas à déplacer le ballon à la main. Avec Malherbe. Ça dit, il est surtout là. Je rends disponible mon ballon avec cette passe qui m'a en difficulté. Il est passé, Willemc, il va aller marquer l'essai. Oh, à 14, les Stormers. 66ème, c'était pas au niveau de Brocaris, mais plus au niveau. Et le démarrage de Kier Barlow. Avec Aldrit, dommage, le ballon oublié par le capitaine. Il donne le droit de pouvoir scorer. Avec un ballon bien désaxé. À porter l'escarmouche. Ah, et à donner à Sklavi. Oui. Sklavi en force. Tenté et à 10 minutes de la fin. Entrée de Leon Lyons. Revenu de près des Greekers. Evan Rose. Il a encore des jambes. 13 away. No. Pas récompensé le capitaine. Ils ont du mal à sortir. Lewet, Liboc, Doueba. Oula, attendez. Ah ouais, charge. Ah ben. Prise de balle, Van Herden. Duplessis. Ouais, il est bloqué tout de suite. Avec un ballon porté des Sud-Africains. Bon, attention de ne pas manquer les plaquages. Moi. Aldrit. Numéro 10. Souvent dans cette équipe des Stormers. Avec Dan Duplessis. Marquez l'essai. Il a eu un crochet intérieur. Villeneuve. Pas pourquoi. Villeneuve veut reprendre à l'intérieur. Volontairement. Et attention au coup de sifflet de. C'est bon, les images sont revenues avec Evan Rouse qui est parti. On est hyper, hyper serré en défense. Ça marque. Profond. Avec Willemc qui cherche l'intervalle au centre, il faut fermer.